Yo la team, on est seul, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de fou. Ce jeu, je pense que vous l'avez reconnu. C'est un jeu de crash test qu'un petit mannequin va effectuer. Donc c'est parti. Apparemment mes vidéos GTA ça plaît à certains. Donc ça fait plaisir. Genre Fred ne le fait pas. Attention, crash test. Donc les gars, c'est pas le seul véhicule, on va aller tester la première map. J'ai déjà testé le jeu, j'ai déjà fait tous les véhicules, toutes les maps. Ouais. Donc moi, je vais prendre ce véhicule là. Attendez, non. On peut en le mettre comme ça. Mais du coup, attendez. On va changer de véhicule en rien. Le tout premier véhicule qu'on a au tout début. Par contre, on aimerait l'avoir dans une pause. Ah oui, parce qu'on peut changer les poses. Donc on peut le mettre ici. Moi, je le mets ici. On peut mettre... Il y a plusieurs poses, il n'y en a pas que deux. Donc là, on peut voir qu'on a littéralement défoncé notre camion. Donc les gars, tout de suite, c'est maintenant. Deuxième map et on passe au deuxième véhicule. Le deuxième véhicule est le Maximus. Le camion qui roule bien tout droit. Hein. Ah oui, parce que là c'est la commande volant. Ah oui. Attendez. Faut mettre commande, c'est pas comme ça, faut mettre la commande ouais, genre comme ça let's go. Donc on y va, il commence à rouler un peu en contre-sens là. Ah bon, le véhicule c'est un peu mort. Attendez, je vais retenter un truc avec le Maximus. On va tenter un truc. Après on arrête. Voilà. Attendez, est-ce qu'on peut refaire la même action? Ou voilà, c'est encore plus démon. Oh, l'action est encore plus belle. Donc on va juste regarder le replay. Par contre, on va devoir la mettre comme ça. Comme ça. On va mettre en vue comme ça. On va voir vraiment ce qui s'est passé. Attention, on y va. Ah ouais! Ah, c'est carrément passé comme ça. Le truc, il a déglingué le camion. Après, mon perso, il a glissé comment? Comme ça, oui. Après, il a continué comme ça, quoi. On est retourné. Pareil, je vous ai dit. On teste la troisième map. Avec le troisième véhicule. Allez, le troisième véhicule, le Token Bird. Ok. Troisième course avec troisième véhicule. Ah! Oh la voiture. Oh la vache, le véhicule. Ah d'accord, le véhicule est là. Ok, on va refaire. Attendez, on va refaire. Je veux juste voir comment ça se passe si on refait. Déjà, le véhicule il va plus vite qu'avant. Ah oui, donc ça empire les choses. Donc, petite pause. Ok, donc les gars, je suis revenu. On va se refaire une petite partie de... Le truc beurre, là.
on y retourne. Ouh, la magnifique esquive du poulet. J'aurais dû rien dire. Oh, tous les véhicules qui lui foncent dessus sur ce gros camion, mais il sait rien, il s'en fout. Ouais, mais c'est même pas sur le gros camion, quoi. On volerait plein en x4. Ah, x4, on a moins le temps de distinguer les choses. Donc, on passe à la quatrième course. Et le quatrième véhicule. Attention. Donc là, c'est moi qui ai posé une petite rampe. À la base, la rampe, elle était même pas là. Ok, donc c'est la moto. Le truc le plus chaud à gérer. Parce que sincèrement, moi, j'y arrive pas du tout. La moto, c'est le truc le plus chaud à gérer. Attendez, on va quand même s'entendre un petit truc. On va changer de direction déjà. Voilà, tout droit. Si on réussit à aller au tunnel tout là-bas, on a gagné. On dit qu'on a gagné. C'est... le corps, tu peux pas avancer? Alors le mec, il a une jambe en moins. Allez, là, la jambe. Rip. On voit bien la détermination. Wow! Il s'est fait soulever, le gars. Waouh! Ça va, monsieur? Ah oui, la jambe là. La jambe droite qui s'est fait couper. Donc, les gars, on passe tout de suite au level 5 et au véhicule numéro 5. C'est parti. Donc, ce niveau-là, je l'ai déjà testé. Il est plutôt bien. Donc, on va découvrir le nouveau véhicule. Attention, c'est cette voiture-là. Ok. Le gars, il a perdu ses deux jambes. Attendez, c'est chelou. Ah, c'est quoi ça? X4, allez. Ok, boum. Attendez, c'est quoi ce qui se passe? Regardez ce qui bouge. Une infâme créature. On y va. Donc, on retourne encore une fois. Donc, les gars, on vit comme ça. Elle est beaucoup plus stylée. Je vois la voiture. Wouhou! Et au revoir. Ah oui. Donc, le véhicule, le mec est pas mort. C'est le mec qui est complètement mort. On prend la sixième course avec le sixième véhicule. Le sixième véhicule, c'est quoi? C'est le bus anglais, là. On y va. Ça va, monsieur? Ah, vous avez la main dans le bus. Monsieur, vous avez la main dans le bus, je crois. Avant que vous ayez perdu votre bras et qu'il se soit enfoncé dans le bus. Monsieur, je crois vraiment que vous avez les bras enfoncés dans le bus. Ok, ça c'est mon nouveau record dans ce truc, dans cette course. Donc, cette fois, sans perdre de temps, on va pas faire une deuxième fois cette course. On va passer tout de suite à la septième et bien sûr le septième véhicule. Ok, c'est moi qui ai mis des mires partout pour que on puisse s'amuser. Par contre, c'est pas... Oh, c'est le sixième. Oh, c'est lui. Non, c'est le septième, ça. Wesh. C'est le septième. Ok, terminé. On perd pas de temps. On passe à la huitième course et le huitième véhicule. Cette course, je l'aime bien. Mais on a plus de véhicules. On a... Ok, celui-là. Il...
Allez, on y va. Ah. Wow. Mais pousse pas dans une mine, toi. Ah. Ok. Alors, on va passer au 9e véhicule et à la 9e course. Ok, donc ici, c'est la police qui doit te traquer, je crois. Attendez, arrêtez. Monsieur, attendez. Il y a un truc qui cloche. Alors non, ça, c'est que moi, attendez. Ah oui, déjà, c'est pas ce véhicule. Déjà, ce n'est même pas ce véhicule. Alors voilà, déjà, faut mettre le véhicule qui correspond. Et en plus, attendez, on n'a pas la conduite. Puis on va faire comme ça. Ok les gars, c'est bien pour la police. Ah, j'adore ce mode. La voiture qui se casse sans le pilote. Il y a la police. La police elle va arrêter le perso mais pas la voiture. La police est en route. Ah non, la police arrêtée. Elle est toute là. Ah bonjour, ça va? T'as une sirène toi? Elle est voulue, sirène lui. Et un fou. On va retester une fois ce niveau parce qu'il est vraiment trop bien. Allez, 10e course, 10e véhicule. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Qu'est-ce qu'on a comme 10e véhicule, nous? Alors, attendez. Attendez juste. Nous, notre 10e véhicule, c'est lui. Ok. Attendez, non. Là, il y a la conduite automatique sur ce truc. Oh non, c'est la conduite manuelle, je veux dire, qu'il y a dessus. Ok. Tout droit. Et c'est tout ce qu'on a. On ne peut pas faire le tour. Ah oui. Le conducteur est un peu blessé. 11e course. Et 11e véhicule. Donc le 11e véhicule, là ils sont sérieux. Le 11e véhicule, c'est ça. Attendez, parce que là aussi ils ont mis conduite manuelle. C'est quoi ça? Attendez, je dois faire comme ça. Au pire, on va quand même essayer de conduire en conduite manuelle. C'est un peu idiot, mais on va essayer. Ah, mais ok, conduite manuelle, c'est beaucoup trop dur. En mode conduite automatique, on va où? Tout droit. Papa, le petit canapé qui passe, la la la. Ouais, et il fait exprès de me foncer dedans, lui. Wow, en plus, il a bien écrasé le perso, mon perso là. Regardez, il le retouche là, il va aller le redéfoncer. Bon, bah, nous, on est qu'un petit canapé dans la neige. Hein. Bon. C'est parti. Et donc, c'est cool. 12e course. La dernière. Je crois. Ouais. Ouais, c'est la dernière. Donc, on va... Oh, il nous reste encore. Ok, donc on va tester tous les véhicules dans cette course-là. On va tester le Magnum. Alors, le Magnum, c'est quoi? Ah! Ah, il y a la police aussi là. Ah parce qu'à la base en fait on doit être un gars qui a volé quoi, qui a volé des trucs. Par contre, il nous faut une voiture plus rapide hein, pour les braquages en banque. Aïe. Ok, donc les gars,
on va tout simplement tester l'autre véhicule. Ah, un tank. Il n'est pas très rapide, mais je crois que ça peut le faire. Ils sont où la police? Il n'y a même plus de police? Mais ils sont sérieux? Je crois qu'ils ont pas les tanks. Ah, mon perso. Ah, boum. Ah, mon perso. Ah, le perso. Qu'est-ce que le perso a? Oh, le perso, je crois que t'es pas bien. Oh là là, mon pote, je crois que t'es pas bien. Il reste accroché. Trop drôle. Donc, on teste la loco. Attention. Bon, le mec, il est au-dessus. Je pense que il va survivre au-dessus. La police a tapé. Bon, la loco, elle va aller assez vite. Par contre, elle conduit pas très bien. Drôle. Tourne bien, tourne bien. Oh la vache. La loco, comment elle conduit? Waouh. What? What? Le perso, il est en train de voler. What? Sérieux, là? Le perso, il est en train de voler. Quand je dis voler, bah, il vole. Mais en même temps, il a volé quelque chose, quoi. Donc, on passe au World Crazy. Je m'en fous, en fait, si je prononce mal le truc. Allez, on y va. Ça va pas être très simple. Ça va pas être trop difficile pour nous défoncer. Ça va même être plutôt facile. Quand je vois la voiture de police qui arrive à fond là. Ah! What? Le sérieux, il continue alors que notre perso est mort. Oh là là, quelle détermination. Ok. On passe à l'autre véhicule parce que. Oh oui. Alors lui, le véhicule là, il a intérêt à passer. Oh ouais, vas-y. Ah, boum. Ah, vas-y, tu passes quand même. Tu t'en fous. Allez, tu défonces ta voiture. Vas-y, passe au sas. Vas-y, ouais, vas-y. Oh, c'est bon. On est là. Ouais, on a gagné. On passe au dernier véhicule. L'auto-tamponneuse. Attention. Dernier véhicule, il doit être résistant. Et où la police? Ah, voilà la police. Je sais que c'est notre tamponneuse, mais quand même. Ok. On va retester une dernière fois un véhicule. Donc, on va tester un véhicule que moi j'aimais bien. Donc on va retester même le tank dans ce niveau, parce que moi je l'aimais bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le tank avec les jambes et tout là qui bouge. Regardez le gars, il est déjà en train de tomber. Regardez, c'est ça que j'aime bien. Le mec qui il... j'allais dire le mec qui tient, mais ouais. Bon les gars, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quelle était votre course et votre véhicule préféré. Je compte sur vous.